Dans les bois. Deux girous en train de se faire la cour, dirait-on. Je crois qu'on a de la chance. Les roues sont parties, on va pouvoir aller approcher un petit peu leur nid et voir ce qu'il y a dedans. Allez, c'est parti, on y va. C'est intéressant. Continuons l'exploration de ce nid de roues. Je vois quelque chose qui scintille. Oh, quelque chose qui scintille. Qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Allons-y doucement. J'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait une autre roue, mais elle n'est pas dans le nid. Ouh, voilà l'air mal en point, ces trous. C'est très étrange. Cette roue est énorme. Elle n'a pas de moteur, ni pas de cale-pied. C'est quoi ces trous? L'autre à côté, je reconnais. C'est une giro-roue. Ça, il n'y a pas de problème. Mais alors celle-là, elle est plus qu'étrange. Continuons, peut-être qu'il y a d'autres surprises. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que ces giro-roues ont une drôle de rejeton. Alors il y a bien des roues, mais c'est pour le moins inhabituel. Ah oui, voilà qui fait sens. Ces roues ont donc eu plusieurs rejetons, dont un très bizarre qu'ils n'ont pas pu assumer. Regardez combien il a été tout négligé. Il est tout crotté de partout, le pauvre. Belle trouvaille aujourd'hui. Allez, on embarque ça. Cette vidéo là-dessus, je pense qu'à l'heure qu'il est, vous avez tous compris de quoi il en retournait. C'était bien sûr pour vous présenter mon nouveau VTT assistance électrique. Je vais pas rentrer plus dans les détails techniques ni les raisons de ce choix. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain film. Allez, à plus, ciao ciao.